Voilà, vous êtes bien sur RCN 90.7. Nous sommes en 2020. Ça y est, c'est passé. Le cap est passé. Bon, la période des fêtes, toujours un peu mouvementée. C'est une période un peu où on est entre deux. Je sais pas, je trouve. Hein, c'est... Surtout cette année, c'était en milieu de semaine. Donc, ça coupe toutes les semaines. Bon, ben voilà. Donc, les fêtes sont passées. J'espère que tout le monde a été gâté. On souhaite une bonne année à tous nos auditrices, nos auditeurs, à toutes les gens qui nous écoutent et ceux qui nous écoutent pas, la terre entière. Et on demande de la paix, de la solidarité, de la joie. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous êtes toujours avec Une Heure avec François, hein, comme chaque jeudi, avec rediffusion le lundi et matin et le mardi. Non, le lundi après-midi, pardon, à 15h et le mardi matin à 11h. Et aujourd'hui, notre invité du jour, c'est l'association Coexister, donc antenne de Nancy, mais Coexister France, Thibaut Vincent, que Bonjour. J'accueille avec plaisir. Bonjour. Merci pour l'invitation. Voilà. Donc, nous sommes justement là, donc à 5 ans l'attentat de Charlie. Hein. Donc, justement, on est en plein de la période où on peut reparler de ça. Et donc, tous les médias en parlent depuis 2 jours. Bon, on va l'évoquer aussi en même temps. Mais Thibaut un peu va nous parler de l'association Coexister, qui est déjà venue à la radio. Combien de fois tu es déjà venu? 2 fois, je crois. Ici, 3 fois, je crois. 3 fois, d'accord. Enfin, c'est la troisième fois là aujourd'hui. Okay. C'est la troisième fois aujourd'hui, voilà. Alors, donc, Coexister, c'est important. Hein. C'est un collectif de jeunes de 15 à 35 ans qui ont monté ça, donc, à l'échelon français, mais avec une antenne à Nancy, bien sûr, qui sont là pour parler des trois religions monothéistes pour que tout le monde s'entende. Des trois religions et plus, parce qu'on accueille aussi les athées, les agnostiques et toutes les religions. D'accord, donc tout le monde. Exactement. Voilà, on est tous dans la même marmite. Chacun pense ce qu'il veut et chacun se respecte. Mais comme d'habitude, on a toujours notre petite citation de pivot, donc des vieilles expressions françaises qui sont oubliées. Hein. Aujourd'hui, en avoir sa claque, ça veut dire quoi pour toi ? En avoir ras-le-bol. Avoir ras-le-bol, ben voilà. Donc c'est l'expression d'aujourd'hui, de la jeunesse. Mais à ce moment-là, on ne disait pas ras-le-bol, parce que c'est l'expression qu'on ne connaissait pas, nous, à cette époque. Ah. Hein. Les expressions pour dire la lassitude et l'exaspération sont nombreuses. En avoir marre, en avoir ras-le-bol. Être à bout, casser les pieds, etc. Plus l'élocution qui place l'irritation fulminante au-dessous de la ceinture, en avoir plein le cul... Casser les couilles, faire chier. On a dit des mots comme ça à la radio, mais on est bien obligé. Celle-ci étant notoirement la plus employée. En avoir sa claque pâtit de la concurrence. Cette claque vient du verbe claquer, mourir. Si ça continue, je ne vais pas pouvoir résister. Mes nerfs vont lâcher, je vais crever d'exaspération. Georges Champrune, dans Le Grand Voyage, disait, ou écrivait plutôt, « Oh vieux, dit le gars de Saumur, tu ne dors pas ? Non, je commence à en avoir ma claque, il me dit. » Dans le même registre, il y a aussi en avoir soupé. On est repu des mauvaises manières ou des paroles idiotes de quelqu'un. On en a par-dessus la tête une affaire qui n'en finit plus. J'en ai soupé, je n'en peux plus. Oh, Raoul Ponchon de la Muse au cabaret écrivait « Ah, bien merci, elle avait soupé des hommes ». Jean Cocteau de la machine infernale « On commence à en avoir soupé des oracles, des joyeuses victimes et des mères admirables ». Voilà. Donc, une vieille expression, mais qui est toujours le ras-le-bol, voilà. La lassitude, l'exaspération. Donc, vieille expression française, toujours de notre ami Bernard Pivot, qui est un peu dans la tourmente en ce moment avec l'affaire Medzev, là. Hein bon, qui est revenu à la surface. C'est quand même assez choquant, tout ce qui s'est passé là. Pendant des années, je me rappelle plus bien de cette histoire donc, d'apostrophe, mais c'est quand même choquant quand on voit aujourd'hui ce qu'on peut arriver à faire. Et puis, bon, tout tombe en même temps que l'affaire Weinstein, avec MeToo et tout ça. Le monde est en train de vraiment se mettre en ébullition et puis purifier un peu toutes les situations qui ont été scabreuses pendant plusieurs moments. C'est une révolution féministe. Quoi. Voilà. Hein, voilà. Eh ben, il faut passer à autre chose. Alors, eh ben, on va rendre un petit hommage aussi au point de vue musical à Alain Barrière qui nous a quittés au mois de décembre. Alors Alain Barrière, pour vous les jeunes, ça ne dit pas grand-chose. Hein. Alain Barrière, c'était un grand chanteur de notre époque dans les années 65-75. Hein. Il avait fait énormément de grands hits. Hein. Il était très écouté, il a vendu beaucoup d'albums. À la barrière, on va avec une première chanson en 1965, Ma vie. Ma vie,
je sais. On dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. La chanson est déjà finie? Ah bon? Ça a coupé court, ma vie. Hein? On est pris de court. Bah oui, je suis pris de court. Eh ben voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 janvier, reprise d'émission Une heure avec François, après donc le calme des congés, des vacances et puis de la période des fêtes. Je suis Thibaut Vincent de l'association Coexister, donc avec lequel nous allons parler un peu de cette association à l'échelon français, national et à l'échelon local. Donc une petite recette de cuisine, mais aujourd'hui pas d'insert avec un restaurateur nancéen parce que ils n'ont pas le temps là aujourd'hui, ils peuvent pas. Alors donc ça sera pour la semaine prochaine, c'est pas un problème. Puis il y en a qui étaient en congé qui reprennent seulement, donc ils ont beaucoup de boulot. Après donc, les fêtes, ils se reposent. Voilà. Mais moi je vais faire une ou deux recettes quand même. Hein, donc je vais peut-être faut faire des recettes légères après les fêtes. Hein. Il faut un peu s'aérer l'estomac. Hein. Et puis, ben surtout en ce moment, c'était la galette. On va pas parler de galette. Hein. Mais on va parler d'un petit flan de légumes au lait de coco. Sympa. Ça va être sympa. C'est léger, ça. Il n'y a pas trop de matière grasse, même pas. Alors, donc, ben voilà. Il faut pour 6 personnes 1 kg de mélange de légumes. Hein. Soit okay. Tu prends des légumes surgelés pour wok ou tu trouves partout, mais sinon tu fais tes légumes toi-même, tu vas les éplucher, les mettre en petits porceaux, en petits lamelles, 4 tomates, 4 œufs, 20 centilitres de lait de coco. Bon, il y a des boîtes partout, 10 centilitres de crème liquide, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 15 grammes de beurre, un demi bouquet de ciboulette, du piment d'Espelette. Tu connais le piment d'Espelette, Thibaut? Ben quand même, oui. Ah, c'est bien. Ça vient d'où, Espelette? Le sel et le poivre, c'est où, Espelette? C'est dans le sud, mais après... Dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques. Voilà. Pays basque, voilà. C'est un village où tous les volets sont rouges, et il y a tous les piments qui sont après les volets dans tout le village. C'est magnifique. Blanc okay. Et rouge. C'est très beau. Alors, vous allez préchauffer votre four au thermostat 6, environ 180 degrés. Dans une sauteuse, vous allez chauffer l'huile et faire revenir et dorer les légumes sur feu moyen pendant 2 minutes. C'est rapide. Dans un bol, vous allez battre vos œufs avec la crème, le lait de coco, une pincée de piment d'Espelette, du sel, du poivre. Vous rincez les tomates et la ciboulette, vous coupez les tomates en rondelles et vous ciselez finement la ciboulette. Vous allez beurrer 6 moules individuels ou un moule à manquer, comme vous voulez. Vous allez tapisser de papier cuisson, puis disposer les légumes. Versez la crème aux œufs par-dessus, disposez des rondelles de tomates, puis enfournez 30 minutes et vous laissez refroidir. Voilà. Ou vous le mangez tiède, comme vous voulez. Et vous en mettez un peu de ciboulette ciselée dessus, puis voilà, l'affaire est faite. C'est pas mal. Pas très compliqué en plus. C'est pas compliqué, c'est des produits sains, c'est une chose légère. Bon, bah après les fêtes, je trouve que c'est pas mal. Et une petite recette aussi légère, j'en ai une autre, c'est une terrine de courgettes au curry. Là aussi, après les fêtes, après avoir à manger les marques. Courgettes, c'est pas trop de saison. Oui, mais si, il y a des courgettes tout le temps maintenant. Ah oui, mais... Si, mais les courgettes, si, les courgettes bio, elles viennent partout. Ah oui, oui, okay. Oui, du Maroc, hein, elles sont bien, elles sont très bien du Maroc. 4 courgettes, 4 œufs, 20 centilitres de crème liquide. Oui, mais pour se purifier un peu l'estomac après les fêtes, oui. Bien ça. Mais de toute façon, c'est léger. Succulent. Une cuillère à soupe de curry, un filet d'huile d'olive. Hein. Donc vous allez faire dorer rapidement les courgettes dans un peu d'huile. Dans un saladier, vous allez mélanger les œufs, la crème et le curry. Vous salez, poivrez et vous ajoutez les courgettes. Hein. Vous mettez ça dans un moule beurré au four, 40 minutes au four, et puis voilà, et puis c'est fait.
Ok. C'est aussi un repas léger, mais qu'on peut faire à la maison rapidement. Voilà. Hein, plutôt que d'aller chez Thierry ou chez Picard, aller chercher des plats surgelés. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Hein, voilà. Bon, bah, on va écouter un deuxième morceau donc, de notre ami Alain Barrière, qui nous a quittés au mois de décembre, hein, à l'âge de 86 ans, qui a fait une belle carrière. Bon, on va écouter « Tu t'en vas », mais j'espère qu'on va revenir après. Et on parlera un peu de l'agenda nancéen, donc sur la métropole.
Voilà, vous êtes bien sur RCN 90.7, une heure avec François, chaque jeudi, rediffusion le lundi, le mardi. Donc aujourd'hui, je reçois Thibaut Vincent de l'association Coexister, donc avec qui je vais m'entretenir tout à l'heure. On va parler un peu d'actualité, en même temps d'actualité de leur association, leur belle association nationale et avec des antennes locales. On va parler un peu maintenant donc, de ce qui se passe sur Nancy, la métropole. Une exposition très intéressante que j'ai déjà annoncée, mais que je réannonce parce que c'est la fin bientôt de cette exposition de photos au Musée des Beaux-Arts qui se termine le 12 janvier. C'est tout à fait beau. C'est demain, hein, après-demain. Alors donc, c'est La rue nous appartient de la photographe américaine Arlette Gottfried. C'est magnifique. Allez-y, vous allez voir tout le déroulé de New York, la vie à New York dans les années 60, 70, jusqu'à 85, et l'expansion et l'ouverture de cette ville donc sur le monde, hein, parce qu'on l'appelle la ville-monde, faut pas oublier New York, hein, et c'est vraiment là, donc un témoignage fort intéressant, hein. Allez-y, ce sont des belles photos, et c'est toute l'histoire de New York déroulée sur 20 ans. Par une photographe quand même très intéressante, originaire donc de l'Europe de l'Est. Ses parents avaient émigré aux États-Unis. Au Muséum Aquarium de Nancy, hein, qui a été refait à neuf, vous le savez, en bas de la rue Sainte-Catherine là-bas, l'expo sur les poils, poils du poil de la bête au poil du menton. Allez-y, ça aussi, c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'il faut que j'y aille. T'y es allé, Thibaut ? Non. Ah bah, il faut y aller, hein. C'est très bien. Hein. Tu vas me voir, d'ailleurs, je suis dans un petit film, moi. Ah, c'est vrai ? Oui, mais pour les cheveux. Les cheveux des seniors, sûrement. Mais c'est intéressant, l'origine du poil, l'histoire du poil. Puis maintenant, le poil, on le voit partout, parce que les hommes, ils ont tous des poils, ils ont tous de la barbe. Hein. Sauf moi, j'arrive pas à en avoir. Bah oui, bah ça va, bah, il y aura le temps d'arriver. Mais sinon, maintenant, il y a des hipsters partout et il paraît que ça donne un pouvoir de séduction, paraît-il. J'en ai entendu ça ce matin. Et que les jeunes se gardent là-bas parce que ça plaît beaucoup aux femmes. Bon, ben voilà. Et c'est un signe, paraît-il, de virilité. Bah, je sais pas, mais enfin, on verra, mais je vois pas la cause à effet. Après la salle Poirel, le concert du Nouvel An, comme chaque année, comme toujours au mois de janvier, ce vendredi 10 à 20h30, dimanche 12 à 17h, à la salle Poirel. Donc, il y a des prix intéressants. Bon, il y a les prix à 25 euros, mais sinon, il y a quand même des prix intéressants pour les jeunes et les moins de 18 ans, et pour les étudiants à 6,90. Donc, ça va, c'est raisonnable. Et là, c'est vraiment axé sur Strauss, les valses de Vienne. Mm-hmm. Ouais. Aussi. Ça, c'est aussi un bon moment à partager. Je vais offert à Noël à mes grands-parents. Ah, c'est vrai? Ouais. Ouais. Très bonne idée, très bonne idée. C'est très bien, ça. Très bien. Les valses de Strauss, surtout que nous, on a dansé beaucoup étant jeunes. Donc, voilà. Donc les grands-parents, ils vont être contents d'aller écouter les belles valses. À la MJC Lillebonne, ce vendredi aussi, là, l'association Fight Impro organise ce 5 euros, hein, gratuit pour les enfants. Ils sont partout et pourtant, ne les voyez presque pas. Venez partager 24 heures de la vie d'un banc. Un banc où on s'assoit. Oui, à un banc, tout simplement. Alors venez vous aussi vous asseoir pour rire ou contempler le paysage à côté de vous. C'est pas mal, ça. Ça doit être intéressant. Et puis c'est poétique, un peu. Ah oui, les amoureux de Péné sur le banc public. On aurait pu mettre une chanson de Georges Brassens sur le banc public. J'annonce déjà pour la fin du mois, samedi 25 janvier, non. L'expo des artistes de Séchamps, qui, comme tous les ans, font... C'est la 18e exposition au Centre socio-culturel de Séchamps. C'est entrée libre, bien sûr. Le samedi 25 janvier de 14h à 18h, le dimanche 26 de 10h à 17h. Il y a une association culturelle importante à Séchamps, avec beaucoup d'artistes rien que dans la commune. Hein. Donc, c'est bien de se faire connaître des activités et des œuvres qu'on a fait pendant l'année. Hein. Ce jeudi aussi, aujourd'hui, là, le marché des producteurs a repris à Maxéville, au site des brasseries. Hein, le marché des producteurs, donc de 16h à 19h, avec des producteurs bio. Hein. Légumes, sa viande, bon bah de 16h à 19h, 19h30, là vous y trouverez le meilleur raquel avec des bons produits locaux. Essayons de privilégier le local plutôt que d'aller toujours dans les supermarchés chercher des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Exactement. Mmh. Une randonnée intéressante aussi ce jeudi après-midi. Donc le club vosgien donc de Nancy organise une randonnée de 9 km de Villers à Écourt. Hein. Il faut juste téléphoner au 06 74 61 82 64 et rejoindre le groupe qui va vous emmener pour une belle balade commentée.
Diwan en Lorraine, l'association donc Diwan en Lorraine qui promeut la culture maghrébine et puis le Moyen-Orient. Hein. Ridouane Atif qui est venu il y a pas longtemps ici au micro parler des activités donc du mois de 2019. Et là le 31 janvier à la salle Poirel à 20h, musique du monde, les deux Andalousies. Hein, c'est 20 euros, mais pour les étudiants aussi, c'est 7 euros. 7 euros pour les étudiants et les jeunes. Alors, c'est la Méditerranée, se reflète dans l'Atlantique et dans l'Andalousie. Hein. Donc, c'est le lien entre le Maghreb et puis donc, l'Europe. Là, on voit fleurir des grandes traditions musicales, le flamenco au nord et au sud, la musique andalouse. Alors, voilà, bon, ben, quelque chose qui est intéressant aussi. C'est donc multiculturel. Et puis, il ne faut pas oublier que la péninsule ibérique a été envahie souvent par les Arabes. Donc, il y a beaucoup de culture arabe. Donc, hein, Cordoue, Séville, et tout ça, l'Alhambra. Et tout ça, c'est de la culture arabe. Diwan en Lorraine, une belle association qui est très dynamique et qui font beaucoup de choses de l'année. Et aussi une activité intéressante c'est pour les futurs papas, les futures mamans, c'est encore pas pour toi Thibaut. Non. Hein, t'as encore le temps. Les activités aquatiques prénatales et postnatales. Ah d'accord. Hein, pour les mamans quand on a un bébé, hein, donc pouvoir se détendre dans l'eau, hein, se préparer à l'accouchement. Et c'est aussi ouvert au papa, hein, parce que le papa est là à côté, parce que le futur papa, bah ouais. Il faut bien qu'il joue son rôle. Et il est avec la future maman. Et donc, c'est l'association 9 mois en bleu qui organise ces choses-là à la piscine Pierre de Coubertin à Gentilly. Ça coûte pas cher. Hein. Il suffit de téléphoner au 03 83 35 25 45. Vous aurez les dates et vous aurez donc des abonnements pour aller faire de la piscine. Parce que là, à ce moment-là, la piscine est réservée à cette activité. C'est quand même bien. À la MJC Beauregard, donc le 17 janvier, la semaine prochaine, à 18h. C'est gratuit, ça. C'est le galette en vœux et chansons. Bon, mais c'est bien, c'est fédérateur pour un quartier. Il suffit de téléphoner au 03 83 96 39 70 pour que Jennifer sache combien il faut faire de galettes avant de vous accueillir. Bon, c'est un minimum d'organisation. Ce samedi aussi, 18 janvier à 20h. Au LEM, tu connais le LEM en grande rue? Oui, hein, oui, oui. D'accord. La nuit de la lecture, hein, toute la nuit de la lecture, enfin une partie de la nuit, comme il y a aussi dans les médiathèques de Nancy, avec des activités jusqu'à minuit. Hein. Bon, développons et donc dynamisons la lecture, c'est trop intéressant. Laissons un peu les écrans tomber, bon, un peu d'écran de temps en temps. Mais beaucoup de livres, c'est pas mal aussi. Hein, parce que l'écran, on le voit tous les jours, parce que maintenant le smartphone, il est permanent. Hein. Il est là. Voilà, il est là, comme tout le monde. Mais je pense que donc il faut le laisser un peu tomber et puis feuilleter. Ouais. Hein, feuilleter. Regardez les belles images aussi en naturel, c'est bien aussi. La Cantoche, hein, le restaurant associatif, je ne sais pas si tu le connais. Je vais découvrir la semaine prochaine, je ne sais pas si c'est ça que tu vas dire. À La Cantoche, au 180 rue Jeanne d'Arc, tu vas le découvrir ? Oui. Ah, bah alors c'est bien. Il y a plein de choses à La Cantoche, on a le programme du mois de janvier avec plein de choses. Donc là, ce soir, il y a un atelier couture. Bon, ce n'est pas trop pour moi, mais enfin, si tu veux y aller, tu vas. vendredi 10 à 19h, il y a le dîner de La Cantoche. Enfin, il y a plein de choses. Hein. La semaine prochaine, ils font même de pain d'épices et des petits jeux. Après, il y a un atelier philo. Faut-il retenir à la nature, le jeudi 16 à 20h. C'est à ça que je vais. Ah bah voilà. Jeudi 16, 20h, atelier philo, faut-il revenir à la nature. Après, bon, bah, le mardi 21, tiens, à 19h, ils accueillent des nouveaux bénévoles pour ceux qui veulent s'inscrire à La Cantoche. Hein. Et puis, il y a plein de choses, tout le mois, il y a un beau programme. Allez-y, je trouve que c'est pas mal. Et puis, on y mange bien, hein, parce qu'il y a un nouveau cuisinier maintenant, on y mange bien. D'accord. C'est pas cher. Et on y mange bien. Surtout à midi, on mange. Hein. Mais sinon, en dehors des repas qui sont programmés. D'accord. Hein. Mais il faut réserver parce que c'est très fréquenté. Il y a beaucoup de monde. Hein. L'association aussi Anorexie Boulimie 54, où nous avons reçu plusieurs fois ici, hein, aussi ici, donc, qui organise le samedi 18 janvier de 10h à 12h au 4 rue Alfred Mézières à Nancy, hein, un atelier, La confiance en soi, je m'en tape avec Émilie Adam. Bon ben. La confiance en soi, je m'en tape avec Émilie Adam, on verra. Allez-y. Hein. L'association a été créée il n'y a pas longtemps et il y a énormément d'adhérents qui sont venus les rejoindre, comme quoi la boulimie et l'anorexie est un phénomène de société et qu'il faut aider, donc des personnes qu'il faut aider. À Vendeuvre aussi, à Vendeuvre, donc il y a un grand loto en faveur du Téléthon, qui est vraiment en dehors des sentiers battus, parce que le Téléthon c'est au mois de décembre d'habitude, et il organise le 12 janvier, ce dimanche, voilà.
Ben c'est bien peut-être comme ça. Ils auront peut-être du monde, hein, parce que quand il y a profusion d'animation pour le Téléthon, ben, ça fait disperser. Alors que là, c'est concentré à la salle des fêtes de Vendeuvre à 14h, donc ce dimanche 12. Voilà. Bon, ben, tout, rien n'est exhaustif, il y a tellement de choses. Il y a aussi l'Assemblée Générale, par exemple, du Florin. Tu connais le Florin ? Oui. Hein, la monnaie donc d'échange ici. Donc il y a l'Assemblée Générale qui a lieu le 26 janvier à 13h30 à l'Institut des Sourds de la Malgrange. Voilà, donc où il y a plein de choses et ils demandent des bénévoles pour rentrer au conseil d'administration. L'association culturelle juive aussi, rue des Ponts. Oui. Hein, beaucoup d'animations intéressantes aussi, qui justement font des choses avec Diwan en Lorraine, hein, tu connais. Donc le dimanche 19 janvier, il y a une représentation exceptionnelle en yiddish qui s'appelle La Table ou Der Tisch en allemand, hein, une mise en scène de Schottmesser, et donc c'est à 15h au 19 janvier à la rue des Ponts. 355 rue des Ponts, ça coûte 15€, il faut réserver bien sûr, hein, au 03 83 35 26 97. Vous serez surpris de l'accueil qu'on vous fait, du lieu qui est sympa comme tout, avec des belles peintures murales, et aller de temps en temps au cabaret que les mères qui font, aux musiques yiddish, c'est trop... On apprend beaucoup de choses. D'accord. Beaucoup de choses, hein. Et l'association Ginkgo, c'est l'association de quartier de Mont-Désert-Sauru, qui fait son assemblée générale ce samedi à la MJC des Forges avec la galette et l'accueil des nouveaux habitants. Ben, tout ça n'est pas exhaustif, il y a tellement de choses. Hein, donc on peut en reparler une autre fois. Bon, bah avant de recevoir et de parler un peu avec Thibaut Vincent de l'association Coexister, on va écouter encore un morceau de notre ami Alain Barrière, qui nous a quittés au mois de décembre. Je regrette ce temps. Je regrette ce temps que j'ai vécu ma guerre, où je quittais l'enfant en quittant la colère. Je regrette ce temps de jeunesse ivre, où je n'avais d'argent qu'un peu d'argent pour vivre. Je regrette ce temps où tout était devant, rien à défendre encore, mais tout à espérer, tout à conquérir au monde. Je regrette ce temps où je trouvais pourtant ma place bien petite et mais pas trop perdue dans le grand tourbillon du monde. Je regrette ce temps des courses folles, où l'on va sans penser que jeunesse s'envole. Je regrette ce temps, Paris métro, la butte, que l'on découvre enfin, après de belles luttes. Je regrette ce temps où tout était devant, où chaque jour n'était qu'un autre petit jour ajouté à des jours. Qu'importe, je regrette ce temps. C'était pourtant qu'une lettre de toi vienne dans mes souvenirs ouvrir pour quelques jours la porte. Je regrette ce temps où je vivais par toi. Je regrette ce temps où je n'étais que moi. –
Voilà, c'était le troisième morceau d'Alain Barrière qui nous a quittés au mois de décembre. Alain Barrière, donc une grande vedette du showbiz des années 60, 70, 80, bien sûr, qui a bercé toute notre époque, nous les anciens, mais vous les jeunes, bon, bah, y a quand même quelques morceaux qui reviennent de temps en temps. Mais ça n'a pas été un chanteur qui, après, a continué à être diffusé. Comme beaucoup de chanteurs, malheureusement, comme Gilbert Bécaud, par exemple. Gilbert Bécaud, qui était un grand artiste aussi, qui a fait beaucoup de créations intéressantes, mais qui après est tombé un peu aux oubliettes. C'est comme ça. Comme quoi, on n'est pas grand-chose sur Terre. Hein. Alors, donc, je suis avec Thibaut Vincent, de l'association Coexister. Donc, on va parler un peu de Coexister. On va savoir ce que... On va rappeler ce que c'est, ce qu'est Coexister, pourquoi ça existe et quel est le but de l'association. Donc Coexister, c'est un mouvement de jeunesse et de jeunes. Mouvement de jeunesse, c'est que c'est à destination des jeunes, mais ça peut être dirigé par des vieux. Mais nous, on est mouvement de jeunesse et de jeunes, voilà. Donc qui est dirigé par uniquement des jeunes de 15 à 35 ans, de toutes les convictions. C'est important, c'est qu'il y a 25 critères de... peut-être même plus, je crois 27 aujourd'hui, c'est le défenseur des droits qui établit les critères de diversité. Donc sur ces 25 critères, nous, on en a choisi un, c'est le critère de diversité convictionnelle, donc que ce soit des convictions religieuses, philosophiques ou spirituelles, donc incluant toutes les croyances en un dieu, que juif, chrétien, musulman, athée, bouddhiste, agnostique et athée. Et donc on a décidé depuis maintenant 11 ans de créer du lien entre des jeunes de convictions différentes. Ah, ça fait déjà 11 ans. On a fêté nos 10 ans l'année dernière, le 14 janvier de 2019. Oui. Et là, maintenant, on est dans notre 11e année. D'accord. Alors, donc, qui est-ce qui a eu l'idée de créer ça ? Ça s'est fait comment ? Par un collectif au départ ? Par des jeunes qui avaient envie de... À l'origine, en fait, ça s'est fait un peu par la force des choses. Ce n'était pas la volonté, forcément, de créer une association. Ça s'est fait dans le contexte de l'actualité où le 14 janvier 2009, on était en Israël-Palestine, il y avait de fortes tensions. Il y avait l'opération Plomb durci qui a fait qu'il y avait beaucoup de violences. Et ces violences-là, il y avait la spécificité qu'il y avait des manifestations en faveur des Israéliens et en faveur des Palestiniens dans Paris même. Oui. Si je peux préciser, qui n'était pas forcément très pacifique, et il y a eu des confrontations entre cortèges. Donc à ce moment-là, il y a eu un réveil et puis une certaine incompréhension de comment c'est possible qu'un mouvement qui ne nous concerne pas en tant que Français, et bien sûr on peut s'y impliquer politiquement, mais qu'il y ait de la violence qui se répercute en France, c'était incompréhensible. Et donc il y a eu une manifestation qui a eu lieu dans le 14e à Paris, dans un théâtre. Et parmi les 700 personnes qu'il y avait, qui étaient plutôt âgées pour la plupart, il y avait un jeune qui avait 16 ans, qui s'appelle Samuel, et qui a été invité à monter sur scène pour expliquer pourquoi est-ce qu'il était là et pourquoi est-ce qu'il se sentait investi d'être présent et de participer à cette manifestation. Et donc là, il a pris le micro et il avait un peu préparé son truc. Oui. Il avait dit qu'il avait vu qu'il y avait quelques jeunes disséminés dans la salle. Il les a invités à se retrouver à la sortie. Pour faire couler le sang, pour la paix et pas pour la guerre. D'accord. Et donc ça a un peu interpellé et il a proposé de faire un don du sang interreligieux à l'époque, parce qu'on était interreligieux, aujourd'hui on est interconvictionnel. Il pensait repartir les mains dans les poches, on est en lancé un peu magistralement son appel. Et finalement il y a eu 10 jeunes plus lui, juifs, chrétiens, musulmans, athées, qui sont retrouvés, une première réunion, et en mai 2009, il y a eu le don du sang qui avait été organisé, toujours dans le quartier de Paris. Et en septembre, il y a eu quand même une impulsion qui a été faite, et l'association s'est créée sur ces bases-là. Et c'est comme ça qu'est né Coexister, voilà. D'accord. Donc Coexister est né par une action de solidarité. Ouais. C'est assez intéressant, je trouve, parce qu'on dit souvent que Coexister, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas forcément Coexister, qu'on est une association de dialogue, alors que même on n'est pas une association de dialogue. Et la première action de l'histoire de l'association est une action de solidarité.
Et bien qu'on fasse aussi du dialogue, mais c'est vraiment réducteur de dire qu'on est une association de dialogue. On est un mouvement de jeunesse qui propose trois actions, un parcours pédagogique qui part du dialogue au départ pour se rencontrer, qui passe à la solidarité pour faire ensemble plus que vivre ensemble. Donc on fait des actions solidaires ? Voilà. Et enfin, l'aboutissement, si je puis dire, du parcours, c'est qu'on est formé à Paris ou en région pendant un week-end pour aller intervenir dans les collèges, lycées et associations et aller sensibiliser, faire une sensibilisation de coexister. Et donc parler laïcité, rappeler la loi, typiquement, ce qu'ils voient déjà en cours, mais on pense pas assez. Et enfin, les lycéens l'étudient transversalement dans le programme. Nous, on pense qu'il faudrait un cours spécifique. Pour l'approfondir. Spécifique, comme on fait des mathématiques, du français, de la philo. Faire un cours spécifique, laïcité et fait religieux, pour déconstruire ces préjugés-là. Donc voilà, donc on parle de laïcité et on déconstruit les préjugés. Et c'est aussi l'occasion de témoigner, parce qu'on n'est pas des jeunes qui sommes hors sol, qui avons reçu une formation, je sais pas, à la faculté. On a eu une expérience, et on vient au nom de cette expérience-là dans les classes. Et donc, à titre personnel, vraiment, c'est ce qui, moi, me porte vraiment aujourd'hui dans mon engagement. Alors donc, vous allez voir des jeunes dans quelle classe ? Dans les écoles primaires ou dans Non, pas primaire. Dans le collège. À partir de la cinquième, je crois. Cinquième ou quatrième. Collège, oui. Jusqu'au fin de lycée. Oui. Et puis les associations amies, les scouts, les Young Caritas du Secours catholique. Oui. Enfin voilà, puis les assos qui nous appellent. Mais c'est surtout le troisième lycée, d'accord. C'est vraiment notre cœur de cible. Ouais. D'accord. Oui, parce que dans ce société aujourd'hui, et puis dans les cours qui sont prodigués dans les groupes scolaires, c'est que on parle beaucoup de mathématiques, comme tu viens de dire, tout ça. On parle beaucoup d'histoire qu'on apprend. Mais c'est essentiel. C'est essentiel. Non, mais c'est essentiel. Mais à côté, il faut quand même essayer donc de solidariser et puis de montrer que la société, c'est pas que ça, quoi. Que pour bien vivre ensemble, il faut se connaître. Aujourd'hui, il faut se connaître. Alors ça c'est le but de l'association. Donc, à l'échelon national, vous êtes financé comment, vous ? Parce que vous avez des cotisations, comment ça fonctionne ? Oui, tous les coexistants cotisent chaque année, comme dans n'importe quelle association. Oui. Je précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir entre 15 et 35 ans pour adhérer. Tout le monde peut adhérer, même au-delà de 35 ans. Simplement, pour avoir une responsabilité et être investi de mission, il faut avoir entre 15 et 35 d'accord, ans. Donc, les auditeurs qui ont potentiellement pas entre 15 et 35 ans, ils peuvent être donateurs. Peuvent aussi venir et soutenir. L'adhésion, c'est aussi un moyen de soutenir le mouvement. Et sinon, on se finance, je veux pas dire de bêtises, mais à 80%, je pense, de fondations privées. Oui. Et non, peut-être moins. 70% de fondations privées, 30% d'autofinancement, donc incluant les prestations dans les classes, la sensibilisation, la vente à la boutique, les cotisations. Les prestations dans les classes, elles sont payantes alors ? Oui. Ah oui. Oui, c'est une source de financement pour nous. Parce que, on est formé, il y a des formateurs qui sont payés pour nous former et puis pour organiser tout ça. Il y a Jocelyn qui est à temps plein pour organiser les 500 ateliers par an. D'accord. Et donc forcément, ça coûte de l'argent. Oui, bien sûr, parce que c'est normal. Et si on veut divulguer un bon discours, il faut que ça soit bien mis d'aplomb au départ. Exactement. Que ça soit formaté comme il faut, et puis que chacun ne fasse pas d'erreur. Alors, donc, depuis 10 ans, vous avez déjà fait beaucoup d'activités, je pense. Parce que, bon, moi, je t'ai connu, je me rappelle, c'était en visitant la synagogue. La synagogue de Nancy, oui. Ouais. Et donc, je suis allé parce que j'avais vu que vous faisiez une visite. Ça m'a connu ça m'a permis de connaître le rabbin, tout ça, et puis donc de voir ce qui se passe. Alors, depuis, vous avez fait des activités. Je pense que vous en faites régulièrement. Oui, soit à l'échelon national et puis à l'échelon aussi local. À l'échelon national et local, évidemment. Et on a la joie depuis l'année dernière. D'ailleurs, j'ai oublié son prénom. Yanis, qui était à Sciences Po l'année dernière, était à Stantène aussi avec moi. Oui. On a créé depuis un an, en plus du groupe de Nancy Ville, si je puis dire, il y a le groupe Nancy IEP,
Institut d'études politiques qui est basé à Sciences Po à Nancy, près de la maternité. Donc, donc on a vraiment une vie associative à Nancy qui est assez, enfin, en général, mais à Cogisté aussi en particulier, qui est vraiment particulière. Et donc, on est très heureux d'avoir ce deuxième groupe à Nancy. Et donc vous êtes complémentaires les deux. Exactement. Bah, on n'a pas le même public. Le groupe de Sciences Po s'adresse uniquement aux étudiants de Sciences Po. Et le groupe de Nancy s'adresse à tout le monde. D'accord. Et donc, il y a des activités qui sont proposées. Y aura évidemment, avant la fin de l'année, une visite à la synagogue, parce que c'est un passage obligé, comme à la mosquée et puis à l'église catholique ou protestante. Et puis, deux fois par mois, il y a des kawas qui sont organisés. C'est plus le bar à la maison, ça a changé de propriétaire. Mais c'est rue du Guerrier de Dumas. Oui. Et donc, on est dans le caveau et pendant une ou deux heures, il y a un sujet qui est proposé. Et donc la pédagogie du kawa, c'est qu'on a une feuille avec des questions, des images, des citations qui incitent au débat ou à la discussion. Et c'est disposé sur la feuille de façon que c'est lisible, c'est écrit dans tous les sens. Donc n'importe qui autour de la table ronde est capable de lire. D'accord. Et de dire, ah bah, ce sujet-là, moi, ça m'intéresse de développer, d'en parler. D'en parler et ça ouvre une discussion. Donc on est en groupe de 5-6. On essaye de diviser au maximum pour pas se retrouver à 15 et qu'il y en ait deux qui parlent. Quoi. Deux fois par mois, ouais, en moyenne. Donc là, ils vont reprendre. Alors, comment vous communiquez, comment là ? Sur Facebook, vraiment, c'est Instagram aussi. Et donc, il y a vraiment tout sur Facebook. Il y a du succès, donc ça va, c'est bien. Et bah, ça marche toujours. Ça se renouvelle bien. Ça se renouvelle bien pour l'engagement à l'année. C'est toujours, on vit un peu, je pense, une évolution dans les modes d'engagement, et c'est compliqué quand même de trouver des jeunes qui sont motivés pour s'engager sur l'année. Mais par contre, pour participer et puis pour s'engager, on propose aussi des chargés de mission, comme on appelle. C'est pas très sexy comme nom, mais des opérations ponctuelles, voilà, exemple. Et donc s'il y a quelqu'un qui a un projet qui se sent pas capable qui n'a pas le temps de s'engager pour l'année, c'est totalement possible de nous contacter et de dire, moi j'aimerais bien faire telle maraude ou telle kawa, telle conférence, tel truc. Voilà, nous contacter, quoi. Oui, c'est bien. Donc on vous contacte comment? Par la page Facebook, bien sûr. Par la page Facebook, on a un mail qui est très simple, c'est nancy@coexister.fr. Coexister sans tiret, sans rien, c'est le verbe à l'infinitif. Et voilà, et puis sinon après, en appelant au siège national, il redirige vers nous sans problème. Parce que maintenant, vous êtes combien d'adhérents en échelon France, tu le sais? On est à peu près 1000 adhérents. Ah oui. Et donc on a une trentaine de groupes locaux. Alors surtout représentés près des centres d'enseignement, près des facs, tout ça, ou alors Non, la grande majorité des groupes, c'est des groupes villes. Oui. Les villes universitaires plutôt ou dans... Oui, plutôt dans les grandes villes. Oui. Mais on a vraiment la volonté de s'ouvrir aussi, y compris au monde rural, dans des plus petits territoires. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça a été plus facile pour nous de nous développer dans des grandes villes. Mais en tout cas, on a cette démarche-là, et notamment le Bureau national, de s'étendre sur le monde rural. Bah oui, puis on touche plus facilement les étudiants dans une grande ville. Exactement. Mais après, on ne parle pas uniquement aux étudiants, il y a aussi des jeunes professionnels jusqu'à 35 ans. Oui, bien sûr. Il faut quand même faire pas mal d'études pour être un étudiant jusqu'à 35 ans. Il y a des gens qui bossent déjà, j'espère, pour eux. Alors, les activités, on vient d'en parler. Alors aujourd'hui, donc, on parle d'une société qui est un peu défragmentée, qui se casse un peu. Où on a oublié la notion de fraternité, de solidarité. Alors donc, vous avez un gros rôle à jouer, là, donc, justement. Gros rôle On a une responsabilité en tant que membre de jeunes. Pour susciter, donc... Je pense que, en tout cas, je sais pas, je veux pas parler au nom de l'association, mais en mon nom, moi, je sais que je me sens responsable de m'engager pour essayer de construire une société plus unie, qui est riche de ses différences. Je vous remercie encore de nous donner le micro et de pouvoir
diffuser ce message-là dans les médias, parce que on entend trop peu dans les médias que la diversité peut être une richesse, voilà. peut être une chance, et on veut trop nous mettre dos à dos, quoi. Voilà. Créer des murs de nouveau, alors qu'il ne faut pas créer de murs, au contraire, il faut intégrer tout le monde. Et construire des ponts. Et construire des ponts, voilà, comme vous m'avez dit. Alors donc, il faut créer du dialogue, donc d'où de la solidarité, et sensibiliser tout ça. Voilà, ce triptyque, c'est notre projet pédagogique qui a été vraiment pensé depuis 10 ans, et maintenant qui est vraiment abouti, où... on propose ça, et c'est efficace. Enfin, on est en train de le mesurer, mesurer l'impact de ce parcours. On est très fiers de pouvoir proposer ce... Le dialogue, la connaissance permet l'ouverture. Hein, il n'y a pas de problème. Si on est dans l'ignorance et on reste dans son coin, la société ne peut pas fonctionner. On est chacun de ses petits avantages acquis. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le grand mouvement des retraites, où tout le monde reste encore dans son conservatisme. Ben non, il faut évoluer. La vie évolue, la société évolue, le monde a changé, on vit beaucoup plus vieux. Alors il faut remettre les règles à poids. C'est tout, c'est simple, mais aujourd'hui, l'homme, l'être humain en général, a toujours tendance à essayer de conserver ce qu'il a acquis, et ayant peur donc de l'avenir, toujours. Bon, après, à ce micro-là, je ne vais pas donner qu'existait une association apartisane. Voilà, dialogue, solidarité, sensibilisation, donc il y a du boulot. Il y a du travail, donc moi ce que je vous souhaite, c'est toujours être très actif sur Nancy, parce qu'on est sur Nancy, la métropole. Donc il y a deux groupes, un à l'Institut d'études politiques en Sciences Po, donc à Nancy, et vous donc, alors vous êtes où? Vous avez un lieu? On n'a pas encore de local, après on n'en cherche pas spécialement, on est bien dans des lieux un peu ouverts, et puis ça nous permet aussi de bouger dans la ville. Donc non, on se retrouve beaucoup dans l'ancien café à la maison, je ne sais plus le nom. Oui, je ne sais plus comment il s'appelle, il a changé le nom. Ouais. Mais c'est bien, donc il faut varier dans la ville, et puis il faut s'intégrer justement au milieu de la ville plutôt que d'être dans un local séparé. Ouais. D'accord. C'est très bien. Il y a des projets immédiats, là, quelque chose Alors, immédiat, on va fêter nos 11 ans maintenant, le 14 janvier. Il y a un événement, c'est pas très intéressant, instantané, il y a un événement au siège à Paris. Mais sinon, il y aura des événements qui vont être répercutés, à Nancy y compris, avec des choses un peu spéciales, mais je crois que ça va être un kawa je vais pas dire amélioré, qui sera un kawa premium. Voilà, un peu plus exceptionnel, oui. Et sinon, dans les gros événements, les gros projets qui vont arriver, on a 4 jeunes qui sont autour du monde actuellement, Interface Tour, et qui vont revenir en février-mars. À l'issue de leur retour, ils vont entamer un tour de France comme tous les 2 ans, avec un cycle de conférences. Et donc, évidemment, à Nancy, ils vont passer. Et ça va être vraiment un grand moment où on va pouvoir les accueillir, nous raconter leur voyage, ce qu'ils en ramènent, et puis les conclusions qu'ils en tirent. Ils ont fait 25 pays sur tous les continents. Et voilà, donc c'est la 4e équipe qui est envoyée pas par Coexister, mais par le mouvement. Donc c'est une association à part, c'est Interface Tour. Ils ont aussi tous les réseaux sociaux, si vous voulez. Ils partent tous les 4 ensemble ? Ils partent tous les 4 ensemble, Donc il y a aussi l'expérience sociale, de savoir comment est-ce que 4 jeunes complètement différents vivent pendant 8 mois les uns sur les autres. Ils ne rentrent pas du tout en France pendant les 8 mois. Donc... Mais ça se passe très bien, et généralement, il n'y a pas de conflit sur les convictions ou quoi. C'est, les seuls conflits, c'est d'ordre purement matériel, de combien de temps on met pour se préparer. La promiscuité, tout voilà, ça. Voilà, c'est ça. Parce que même avec des colocs ou de la famille, on se voit pas la journée, par exemple, mais ils se voient vraiment jour et nuit. Quoi. Ils sont toujours ensemble. C'est vraiment une expérience intéressante, et leur témoignage, chaque fois, est super intéressant. La vie en groupe n'est pas toujours facile. Hein. On est toujours ensemble. Eh ben, je te remercie, Thibaut. Donc, longue vie à coexister. Il y a beaucoup de travail. On n'a pas évoqué, Charlie. Il y a deux jours, mardi, on fêtait les 5 ans maintenant de Charlie. Après, je
En tant que mouvement, à l'époque, on s'était mobilisé dans le cortège du 14 janvier. C'était le 14 ou le 11 janvier. Le 11 janvier, je crois. L'esprit du 11 janvier. Peut-être, oui. Ouais. On existait déjà depuis 6 ans à ce moment-là. Mmh. Donc c'est pas notre action qui a émergé depuis non, à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est nous ça nous a donné beaucoup d'espoir de voir que il y avait un mouvement avec 50 000 personnes place Stanislas à l'époque. On se dit que la fraternité est quand même pas complètement pas perdu. Ben non, bien sûr. D'accord. Faut y croire. Donc soyons solidaires. Oublions cette société où on parle que d'argent. Parlons un peu de solidarité, de fraternité et d'amour entre les êtres humains. Ça serait bien parce que l'argent, il en faut un peu pour vivre, mais il n'y a pas besoin que ce soit un but en lui-même. Hein. Voilà. Bon, ben merci Thibaut d'être venu. On va encore écouter une petite chanson donc de notre ami Alain Barrière. Donc avant de vous annoncer la semaine prochaine le nom de mon visiteur. Tout peut recommencer en 1968. En 1968, une date mythique. Hein. Je passais mon bac là. Mais on chantait aussi. Encore viens, tout peut recommencer. Il n'est rien après tout que nous ne puissions effacer. Rien, tu verras, je saurai te redire ces mots que nous arrachent les années. Rien, nous saurons retrouver la force et l'abandon et la chaleur de nos baisers. Rien, je serai, tu verras, je serai dans tes bras, plus fort et plus fragile. Commencer, rien ne vaut après tout que l'on condamne le passé. Vois, tu t'en vas comme moi, sans plus trop bien savoir pourquoi s'égrènent tes années. Rien, trop de choses sont là, trop de choses entre nous que nous ne saurions effacer. C'est l'abandon et la chaleur de nos baisers. Viens, je serai, tu verras, je serai dans tes bras, plus fort et plus fragile. Viens, tout peut recommencer, il faut y croire un peu, tu vois déjà tout recommence. Voilà, donc c'était notre ami Alain Barrière. Alors j'ai oublié d'annoncer que le dimanche 19 janvier, c'est pas ce dimanche, mais enfin je l'annonce maintenant, il y a un super loto du Lions Club au profit de l'Arémig aussi et des enfants atteints de mucoviscidose, l'Arémig, la maison des parents, hein, et de la bibliothèque sonore de Noël pour tous, donc à la salle des fêtes de Nancy Gentilly, hein, avec des réservations donc de 19 janvier à 14h et une réservation 06 20
21 98 57 76. Vous ferez une bonne action, vous allez pouvoir gagner des beaux lots et vous passerez l'après-midi pour ceux qui aiment le loto. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je recevrai Armand Chapuis, le président du Cercle du Travail de l'Université Populaire de Nancy, une vieille institution hein, qui émane un peu des syndicats hein, dans, de la métallurgie et tout ça, et qui a son local Porte Saint-Georges, un magnifique local avec une salle des fêtes, un auditorium extérieur que les gens ne connaissent pas vraiment, c'est dommage, et donc qui nous parlera des activités du Cercle du Travail qui font énormément de choses hein, à proposer à leurs adhérents et à non-adhérents, avec des conférences par exemple chaque jeudi du mois, un jeudi par mois, des conférences sur la justice. Voilà. Eh bien, on se retrouvera la semaine prochaine. Cette émission sera rediffusée lundi après-midi à 15h et mardi à 11h. Merci, bon week-end à tous.